Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien en direct de Al24 News pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Nous revenons ce soir sur ces coups d'État successifs en Afrique. Pourquoi ces coups d'État soulèvent des questionnements et suscitent l'intérêt? Et pourquoi, alors que les autres coups d'État étaient applaudis par la population, ce dernier coup d'État au Gabon vient comme une fausse note? Un bango s'en va, un autre le remplace. Pourquoi le putsch n'est pas très convaincant? Toutefois, force est de constater que ces coups d'État ont eu lieu dans des pays francophones. Est-ce un hasard ou un ras-le-bol exprimé et dû à des années de mauvaise gestion française dans la région? La stratégie de la France dans ce précaré est-elle remise en cause? Le précaré classique de la France est-il une remise en cause de sa stratégie ou carrément un balayage de cette ancienne puissance coloniale dans la région? Nous allons débattre de toutes ces questions dans un petit moment. Comme je le disais donc, pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche basé à Genève. Monsieur Riyad Sidaoui, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, pour commencer, Monsieur Sidaoui, pourquoi ce dernier coup d'État, plus particulièrement, laisse plutôt sceptique les avis de la classe politique, selon vous? Bon, on peut avoir deux approches. La première approche, c'est la théorie de domino. Ça veut dire un coup d'État qui suit un autre en Afrique. On a commencé par le Mali, puis le Burkina Faso, Niger et aujourd'hui le Gabon. Mais il y a une deuxième approche que, en fait, au Gabon, on ne parle pas d'un vrai coup d'État militaire, mais d'une révolution de palais. Une révolution de palais, il faut dire, ce ne sont pas mes propos, mais c'est l'opposant gabonais Ondo Ossa a affirmé jeudi que la prise de pouvoir des militaires dans son pays était une révolution de palais qui maintient en place le système Bongo. Et je cite, il dit, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Et il nous révèle aussi que le nouveau chef d'État, le chef du coup d'État militaire, il n'est que le cousin de Ali Bongo. Donc le pouvoir va rester dans la main de la famille ou dynastie Bongo. Est-ce qu'il y a eu une ingérence étrangère? Est-ce que les services français sont derrière ce coup d'État ou non? On ne sait pas encore. Mais permettez-moi de faire un peu la sociologie politique et un peu la théorie. Allez-y. Parce que nous savons qu'il y a des révolutions populaires, et dans les révolutions populaires, la position de l'armée est déterminante. Donc, dans toute révolution, en fait, il y a un coup d'État militaire. Un petit rappel qu'une révolution se compose de deux sortes de facteurs. Les facteurs lointains, à titre d'exemple, l'explosion démographique qui ne suit pas l'explosion de la richesse, la pauvreté, la marginalisation, les nouvelles technologies, Internet, etc. L'État ne contrôle plus, on n'a plus le monopole de l'information. Alors, tous ces facteurs lointains s'accumulent, pour finir, à une situation révolutionnaire. C'est l'explosion. La situation révolutionnaire, pour avoir un résultat révolutionnaire, ça veut dire pour qu'un système, pour l'ancien système tombe et un nouveau système se mette en place, se compose de trois facteurs déterminants. Le premier, évidemment, c'est la radicalisation de l'opposition populaire qui ne veut plus des réformes politiques, mais qui veut tout court du départ du régime. On a vu ça avec Moubarak, on a vu ça avec Ben Ali, puisque ce sont deux pays africains, donc on peut faire la comparaison avec les autres pays africains. Deuxième élément aussi, c'est les défections au sein du pouvoir, ce que nous appelons les divisions au sein des élites au pouvoir. Troisième facteur qui est déterminant dans toute révolution, il faut le savoir, c'est la position de l'armée. Il faut que soit la neutralité de l'armée vis-à-vis du conflit entre la population et le système en place, soit la trahison de l'armée vis-à-vis du régime, ce qui s'est passé avec Ben Ali ou Moubarak en Égypte ou en Tunisie. Même au Mali ou au Niger, au Burkina Faso, on a constaté des manifestations. Donc on peut parler de manifestations qui ont précédé le coup d'État militaire. Donc on peut parler
des révolutions. Alors là, c'est typiquement la sociologie de la révolution. Mais là, on a une révolution de palais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au sein du palais, au sein du clan au pouvoir, qui est le clan de Bongo au Gabon, certaines personnes au sein de ce clan disaient que Ali Bongo ne peut plus. Ali Bongo est handicapé. On a bien vu avec les images qu'on a que nous sommes face à un président handicapé. Donc il faut sauver la famille Bongo en précipitant une révolution populaire ou de l'opposition. Voilà un coup d'État militaire, donc un nouvel espoir. On va peut-être refaire les élections, etc. Donc donner de l'espoir à la population. Ce qui explique les manifestations populaires, parce qu'ils sont habitués à voir que Omar Bongo et maintenant son fils Ali Bongo, son épouse la française, qui est une fille d'un homme d'affaires français, la prison de la France. Donc les militaires donnent un espoir à la population. Mais nous savons bien aujourd'hui, on a quelques éléments, que c'est plutôt une révolution de palais qu'une révolution ou qu'un coup d'État militaire. Mais attention, les militaires au Gabon, ils ont déclenché ce que nous appelons la fièvre révolutionnaire. Le fait que les manifestants se manifestent dans les rues, donc il y a une fièvre révolutionnaire. Donc on peut avoir un deuxième coup d'État militaire qui élimine le clan Bongo définitivement, puisque nous sommes déjà nous ne sommes plus dans la stabilité du clan, mais nous sommes dans une situation, pas une situation révolutionnaire, mais une fièvre révolutionnaire, oui. Les manifestants, etc. Donc, une autre branche de l'armée pourrait prendre le pouvoir et aussi éliminer. Donc, on peut avoir un deuxième coup d'État militaire. Oui, est-ce que vous pensez, M. Riyati Daoui, effectivement, que cette thèse pourrait tenir la route, puisqu'elle a été évoquée à plusieurs reprises, étant donné qu'on parle de révolution de palais ou de coup d'État de palais, et il se pourrait qu'il y ait une deuxième ou un deuxième coup d'État qui, celui-ci, sera réellement ou émanera réellement de la volonté populaire. Est-ce que vous pensez réellement que ce scénario est envisageable et envisagé? Je pense que c'est envisageable et c'est très possible. Pourquoi? Parce que le Gabon est en train de vivre maintenant la fièvre révolutionnaire. Cette joie, ces manifestants qui cherchent l'espoir et qui ont fait une rupture avec la famille Bongo. Donc là, ça pourrait soutenir ou aider une autre branche de l'armée, qui n'est pas contrôlée par la famille Bongo, afin de prendre le pouvoir, puisque nous sommes déjà dans la fièvre révolutionnaire au Gabon. C'est très, très probable, c'est possible. Là, il reste aussi la grande question, évidemment, sans les ingérences étrangères. Est-ce qu'à titre d'exemple, les services français, la DGSE, a joué un rôle ou non? Nous savons bien que les Français, aujourd'hui, qui pleurent un coup d'État en Niger, parce que c'est un coup d'État contre leurs intérêts économiques, les mêmes Français, ils ont soutenu, ils ont planifié des coups d'État militaires contre des présidents charismatiques. Je donne toujours l'exemple de Thomas Sankara. Thomas Sankara était un chef charismatique anti-sioniste révolutionnaire. La France a planifié un coup d'État militaire. C'est son camarade Blaise Compaoré qui l'a trahi, qui l'a poignardé dans le dos avec l'aide de la France, parce que la France ne veut pas la politique révolutionnaire, anti-impérialiste, anti-colonisation, anti-sioniste surtout de Thomas Sankara. Donc là, c'est la grande question. Elle est où la France? Officiellement, selon les premiers commentaires des responsables français, ils condamnent le coup d'État. Mais est-ce que c'est vrai en réalité ou non? Parce que si d'autres voix ont été élevées, mais écoutez, Omar Bongo, ce n'était pas une démocratie. Ce n'était pas une démocratie du tout, Omar Bongo. Ali Bongo, c'est le fils d'Omar Bongo. On parle de 56 ans de règne sans partage. D'autant plus que... On parle de la corruption absolue. D'autant plus, M. Riyati Daoui, que vous le disiez, Macron a condamné le coup d'État, mais il n'a pas du tout demandé, comme ce fut le cas pour le Niger, la restitution d'Ali Bongo. Et voilà, et en plus, il n'a pas critiqué la phase transitoire, parce que les militaires, là aussi, parlent de phase transitoire, parce qu'en théorie, les armées n'ont pas le droit de gouverner, donc il faut une phase transitoire d'une année, deux, trois ans, et après...
tiennent des élections libres et le parti qui gagne ou le chef d'État qui gagne, il sera le nouveau gouverneur. Mais là, c'est silence radio. Parce que pour la France, pour les Américains, pour l'Occident en général, il y a deux genres de coups d'État militaires. Des coups d'État réactionnaires, des coups d'État de droite ou d'extrême droite, là, ils les applaudissent, ils les soutiennent. Et je donne le fameux exemple de Pinochet en Chili en 1973 avec Allende. Allende était élu démocratiquement, mais le coup d'État il vient d'une branche fasciste. Alors l'Occident a soutenu le nouveau. Pourquoi ? Parce que l'autre, Allende, il va avoir des bonnes relations avec l'Union soviétique, etc. Oui. Donc, pour eux, c'est une question d'intérêt, ni plus ni moins. Oui. Est-ce que les putschistes ou ces militaires sont pour l'intérêt de la France ou contre les intérêts de la France? Oui. Les responsables militaires de Niger, ils ont bien montré qu'ils sont contre les intérêts de la France, contre l'exploitation. Ce ne sont pas des intérêts, en fait, contre l'exploitation, le pillage des sources premières de l'uranium, l'or, etc. en Niger. Donc, ils cherchent de nouveaux alliés vers la Chine et vers la Russie, évidemment. Pour le moment, je pense que le rôle français, c'est un peu flou. Il faut attendre un peu de temps afin de savoir si la France a été derrière cette révolution de palais ou non. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les nouveaux dirigeants? Nous savons bien aussi que la Chine est devenue le premier partenaire économique du Gabon, hein, avant la France. Pourquoi? Parce que les Chinois sont très actifs économiquement. Ils ont aussi beaucoup d'argent à investir. Alors la France n'investit pas énormément parce que aussi elle n'a pas les moyens de la Chine ou des États-Unis d'Amérique. Il faut parler des moyens. Hein. La France est le 7e économie mondiale actuellement avec son produit intérieur brut. En 2030, selon la Banque mondiale et l'FMI, elle va être le 10e. Elle va être 10e. Donc, est-ce que ça joue un rôle ou non? On va le savoir dans quelques jours, à mon avis, avec la nouvelle orientation des nouveaux chefs du Gabon. Et en plus, peut-être avec la fièvre révolutionnaire, on pourrait avoir un deuxième coup d'État qui rectifie le premier coup d'État militaire. Oui, alors justement, on va parler de ce premier coup d'État avant de parler peut-être d'un éventuel deuxième coup d'État. Mais avant, Monsieur Sidaoui, nous allons d'abord voir ensemble justement l'opposant qui était aux élections avec le président Ali Bongo. Et donc, on parle très peu de cet opposant qui s'est vu un petit peu, quelque part, on va le dire, confisquer sa victoire, puisque de toute façon, la victoire d'Ali Bongo n'était pas vraiment annoncée. On va voir ce qu'il dit justement sur ce coup d'État et on revient au débat. Une révolution de palais, Oli Gingema est le cousin d'Ali Bongo. La campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Et ils ont mis Oli Gingema en avant. Derrière Oli Gingema, nous savons qui est là. Donc c'est toujours le système Bongo. Alors, Riad Sidaoui, bien sûr, l'opposant gabonais, Albert Ondo Ossa, dénonce justement ce coup d'État qu'il qualifie de parodie. C'est pour ça qu'on revient chaque fois à l'idée que ce qui se passe aujourd'hui au Gabon est une sorte de coup d'État, une sorte de parodie, puisque de toute façon, ce n'est pas un coup d'État pour le changement, c'est un coup d'État où il fallait tout simplement écarter un élément gênant qui était devenu Ali Bongo. Oui, révolution de palais ou un coup de palais, ça veut dire à l'intérieur du clan. Une branche du clan est mise à l'écart pour une autre branche du même clan, oui. Ça veut dire la famille Bongo prend le pouvoir puisqu'on a dit que Ali Bongo est totalement handicapé, il ne peut pas gérer la situation. Donc c'est vrai, puisque lui parle de l'intérieur, donc c'est un opposant gabonais, donc il connaît plus que nous évidemment la situation, il a peut-être des éléments plus que nous, mais en attendant, comme j'ai dit, maintenant le Gabon est en train de vivre la fièvre révolutionnaire, c'est un concept en sciences politiques, ça veut dire tout est permis, tout est possible, le règne par la peur
Là, c'est fini. Donc, on voit la population dans la rue. La population, quand elle descend dans la rue, elle devient forte, puissante, elle a le pouvoir. Donc, on va voir. Moi, je pense qu'il y a une grande possibilité d'avoir un deuxième coup d'État qui rectifie et qui balaye la deuxième branche de la famille Bongo. Oui, très bien. Riyad Sidaoui, est-ce que c'est un hasard aujourd'hui que de constater que la plupart de ces coups d'État de renversement du pouvoir se sont déroulés ou ont eu lieu dans des pays qui sont connus pour être un petit peu, en quelque sorte, le précaré français et qui sont donc des pays francophones? Est-ce que c'est au fait la France qui est remise en cause ou est-ce que c'est réellement les pouvoirs en place qui sont remis en cause? Je pense que la France et les pouvoirs en place qui ont été avant les coups d'État militaires, parce que l'Afrique souffre, l'Afrique c'est la misère, c'est la pauvreté. La France, elle exploite les richesses africaines, mais dès qu'il s'agit de visa ou dès qu'il s'agit d'accepter des Africains sur son sol, non, la priorité pour des Européens de l'Est ou des Ukrainiens ou même de l'Amérique latine, il y a des pays de l'Amérique de latine qui peuvent aller en France sans visa. Alors la France, sa relation avec l'Afrique, c'est gagnant-gagnant. Elle gagne, mais pour les Africains, ce sont des perdants. Nous n'oublions pas aussi que les Américains n'aiment pas la position française en Afrique. Et ils ont donné une position différente de la France vis-à-vis du Niger. Ils savent bien que c'est à cause de la France, en fait, qu'a pillé les richesses de ces pays, que les populations et les militaires et les armées se révoltent. Et quand ils se révoltent vers la France, donc vers l'Occident, ils vont vers qui? Ils vont vers la Chine et la Russie. Donc les Américains veulent remplacer en fait l'influence française dans cette région, à mon avis, afin d'éviter que toute l'Afrique ou l'Afrique française tombe dans le camp de la Russie et la Chine. Et évidemment, la Russie et la Chine sont très très actifs, hein, parce que n'oublions pas aussi, c'est la conjoncture internationale qui a changé la donne. Parce que pendant les années 60, 70 et 80, il y a eu plusieurs coups d'État en Afrique, mais avec le monopole américain, les Américains sont devenus le gendarme du monde, avec la disparition de l'Union soviétique, le retrait de la Chine de Mao Tse-tung. Et il y a une stabilité, mais avec des gouvernements corrompus, comme la famille de Bongo, on ne peut pas parler d'une démocratie au Gabon. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre mondial, donc il y a une occasion en or. Pour ces militaires africains, ils peuvent être des militaires révolutionnaires. C'est pour cette raison, moi, quand je traite les coups d'État militaires, j'ai une typologie. Et oui, il y a des coups d'État militaires révolutionnaires qui ont un projet social et d'autres qui sont réactionnaires et qui veulent maintenir en place la domination d'une classe économique et souvent sont liés avec l'étranger, avec des puissances étrangères, que ce soit les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne. Donc, on a deux genres de coups d'État. Il y a les coups d'État militaires révolutionnaires. Je pense au Mali, ou au Niger, au Burkina Faso, il y a eu des coups d'État militaires, au Guinée, des coups d'État militaires révolutionnaires, hein, qui sont en harmonie avec l'aspiration du peuple. Et on a vu les manifestations jusqu'à nous. Aujourd'hui, on a vu une manifestation incroyable à Niamey, au Niger, contre la présence de la base militaire française. Donc, c'est la population, c'est la démocratie directe. Le peuple est là, le peuple est dans la rue. Donc, j'ai toujours cette typologie. Le coup d'État actuel au Gabon, apparemment, c'est un coup d'État peut-être réactionnaire et en faveur d'un clan ou d'une branche de la famille Bongo. Et, comme vous ai dit, puisqu'il y a la fièvre révolutionnaire, peut-être aussi il y aura un autre scénario prochainement. Oui, c'est-à-dire que le risque, il est toujours existant. Vous savez, on ne peut pas parler de ce coup d'État au Gabon sans faire un petit peu le parallèle, mais également le distinguo avec les autres coups d'État qui ont précédé, parce que de toute façon, il y avait ce caractère, comme vous le disiez, révolutionnaire, un peu, effectivement, il fallait donc, si vous voulez, rompre avec les systèmes en place ou le pouvoir en place, mais ce n'est pas le cas pour le Gabon, puisque
De toute façon, on a vu que la communauté internationale, l'Europe ou la France ont peut-être appelé à plus de retenue, mais à aucun moment il n'y a eu de pression exercée sur les putschistes, comme ce fut le cas pour les autres pays. À aucun moment il y a eu des ultimatums pour dire qu'il faut absolument rétablir l'ordre constitutionnel, ce fameux ordre constitutionnel dont la plupart des pays et des instances, l'ONU en l'occurrence, en ont donc évoqué les termes lors des derniers coups d'État. Alors ça fait trop d'éléments qui font planer le doute sur l'efficacité ou qui jettent un petit peu le discrédit sur ce coup d'État au Gabon. Absolument, c'est exact. Ça montre totalement l'hypocrisie de l'Occident en général et l'hypocrisie de la France en particulier. Donc la France est hypocrite, elle veut intervenir militairement contre un coup d'État militaire au Niger. Même les officiers militaires, ils ont dit qu'ils sont prêts à une phase transitoire afin d'avoir une démocratie, mais non, elle veut la guerre. Alors qu'au Gabon, c'est le contraire. Au Gabon, timidement, on a condamné le coup d'État militaire, mais il n'y a pas de sanctions, on ne mobilise pas, même les médias français ne sont pas mobilisés contre le nouveau pouvoir, et ils acceptent apparemment la phase transitoire du nouveau pouvoir. Donc, c'est l'hypocrisie totale, c'est la politique de deux poids, deux mesures. Dès qu'il s'agit d'un coup d'État militaire qui sert les intérêts de la France, donc on accepte, on applaudit, puisque la France elle-même a soutenu et a planifié des coups d'État militaires en Afrique. Mais dès qu'il s'agit de menacer les intérêts économiques, de menacer l'exploitation française, le pillage français des sources primaires de ces pays, là, ça devient une histoire de démocratie et une histoire de coup d'État militaire. Et on mobilise les médias, on mobilise les alliés et on menace d'intervenir militairement. Très bien. Alors, il y a aussi un autre aspect. Ces coups d'État successifs ont créé quand même un mouvement de panique au sein des régimes africains, surtout par rapport aux pays voisins, à toute cette région, à savoir peut-être le Cameroun, puisque le président, il n'y a pas plus tôt que deux jours, avait donc fait des révisions, entamé des révisions dans la Constitution. Le président Macky Sall sénégalais, lui, a réitéré, puisqu'il avait déjà annoncé, le fait de ne pas s'engager ou son engagement à ne pas briguer un troisième mandat. Alors, si vous voulez, toutes ces réactions ne sont pas tout à fait anodines. Est-ce que réellement ces coups d'État sèment la terreur au sein de la classe politique africaine en ce moment ? Je pense oui. Je pense en majorité sont des classes politiques corrompues. On voit bien l'exemple. Parce que si tout fonctionne bien, il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin ni du coup d'État militaire, ni autre. Et pourquoi c'est toujours en Afrique? Parce que ce sont des pays pauvres, marginalisés, il y a du coup d'État militaire. Parce qu'il n'y a que l'armée qui a une force. Et les militaires, souvent, sont les enfants du peuple. Ils sont des fils des paysans, des ouvriers, donc de la classe moyenne ou même de la classe pauvre, qui ont des armes. Alors la classe régnante, c'est une classe corrompue. Et le peuple ne peut pas, n'a pas les moyens de renverser cette classe corrompue. Donc la solution, c'est toujours avec l'armée. C'était le cas de la révolution de 1952. Le 23 juillet 1952, en Égypte, les officiers libres, et c'est devenu une révolution sociale et radicale. Après qu'ils ont chassé le monarque et éliminé la monarchie. Et toutes les révolutions militaires ou les coups d'État militaires contre les monarchies, afin de les changer par une république, que ce soit en Afrique ou dans le monde arabe, je pense que ce sont des coups d'État révolutionnaires. Ce sont des coups d'État révolutionnaires qui sont en harmonie avec les aspirations des populations de ces pays. Oui, alors juste pour terminer, dans à peu près, en une minute à peu près, Monsieur Riad Sidaoui, est-ce que les coups d'État sont devenus en quelque sorte la nouvelle tendance de la géopolitique en Afrique? Oui, je pense que la théorie de domino est en train de fonctionner. On voit bien la théorie de domino, un pays après un autre, et on voit bien que les intérêts de la France sont bien visés. L'Occident aussi en général, ce sont des militaires qui cherchent ou qui répondent
aux aspirations de la population contre des régimes corrompus, des régimes qui ont montré bel et bien leur échec. Si tout fonctionne bien, on n'a pas besoin ni d'une révolution, ni d'un coup d'État militaire. Mais la France et d'autres pays occidentaux soutiennent des régimes corrompus contre leur propre population. Pourquoi ? Parce que ces régimes corrompus favorisent leur exploitation, favorisent le pillage des sources primaires de ces pays. Donc la seule solution, puisqu'il n'y a pas de parti politique fort ou une société civile forte, la seule solution, c'était toujours l'institution militaire. Très bien, donc c'est un petit peu l'Afrique qui est en train de renaître un petit peu de ses cendres pour sortir de cette stratégie française appliquée durant des décennies après donc les mouvements de décolonisation de l'Afrique. Monsieur Riyad Sidaoui, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche basé à Genève. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouvera dans les prochaines émissions de l'Échiquier international. Merci, au revoir.